Je suis là pour affronter les rois. Tu es prêt à réclamer les terres de notre famille ? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre le roi vendu au culte. Tu fais la fierté de ta mère, Alexios. Mais es-tu sûr d'avoir assez de preuves pour le confondre ? J'en suis sûr. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle des trônes. Qui sont les efforts ? Tu ne te souviens pas. C'est vrai, tu n'étais qu'un enfant. Les cinq Éphores sont élus par les citoyens spartiates. Leur pouvoir s'étend même au roi. Si tu veux libérer Sparte du contrôle exercé par le culte, tu vas devoir les convaincre. D'accord, je t'y retrouve. Pourquoi ce retard ? Désolé pour cette attente. Tu as convoqué les Éphores ? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. Il n'y a plus de forces athéniennes en Béotie. La région vous appartient. Bien, une excellente nouvelle. J'imagine que la conquête de ce territoire ne t'a laissé guère de temps pour conduire notre champion aux Jeux Olympiques. Je l'ai conduit à Elis, mais il a eu un accident en mer. Alors, j'ai dû participer aux Jeux, et j'ai remporté une couronne pour Sparte. Par Nike. Bien joué, champion. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts ? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations ? Contre qui ? Tu fais comme si tu ne savais pas. Cela te dessert, Pausanias. J'ai parcouru les terres de Sparte. Et même au-delà, j'ai pu prouver la trahison de Pausanias. C'est un adepte du culte de Cosmos. Ces scélérats sont prêts à tuer par centaines pour régner sur le monde grec. Ces preuves devraient suffire. Des preuves ? Quelles preuves ? Ainsi dont les rumeurs étaient vraies. Nous n'aurions jamais pensé qu'un roi puisse manquer autant d'honneur. L'honneur fait partie du passé. Pour tes crimes, tu mérites la mort. Comment oses-tu menacer un roi ? Pausanias, ton titre de roi t'est retiré. À compter de ce jour, tu es banni de Sparte. Je jure devant Athéna et Arès que vous le regretterez. La justice triomphera ! Ma justice sera faite, roi fantoche ! Pardonne-nous, mon roi. Mon fils ne pouvait le laisser occuper plus longtemps ce trône. Naturellement. Vous avez largement mérité de recouvrer votre statut. Sparte vous offre sa gratitude et vous restitue votre maison. Tu récupères ta maison. Notre maison. Laissons la cour mener ses affaires. Retrouve-moi à l'extérieur. Il serait sage de s'occuper de Pausanias le plus tôt possible. Je le ferai. C'est un adepte, après tout.
Quand ce sera fait, retrouve-moi chez nous. Avec plaisir. Le roi Pausanias appartient au culte de Cosmos. Je vais devoir le tuer moi-même. Ne laisseront pas manœuvrer par les Athéniens comme les Onidas. Voilà Pausanias, Malaka. Causera plus aucun mal.
plus là. Quoi donc? Il y avait un crâne ici, un crâne de lapin, ton premier trophée. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il pris? Une seule personne a pu l'emporter. Nikolaos. Le fait de nous revoir lui a peut-être rappelé cet endroit. Ça a été le cas pour moi. La nostalgie n'a pas frappé que moi, on dirait. Je ne dérange pas, j'espère. Brasidas, viens, entre. Cela fait plaisir de vous revoir chez vous. Et ça fait du bien d'être ici. Tu n'es pas à l'entraînement? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois me rendre à Pylos au plus vite. Je crois que tu ferais bien de m'accompagner. Je serais ravi de te rendre service. Qu'est-ce qui nous attend à Pylos? La gloire, bien sûr. Les Athéniens repoussent les Spartiates en ce moment même. Une telle perte serait un rude coup pour Sparte. Je dois l'empêcher à tout prix. On dirait que tu doutes de l'ardeur des guerriers Spartiates. Ils sont toujours aussi robustes. Mais ils affrontent un pouvoir dont ils n'ont aucune idée. Tu parles de Deimos? Oui, si l'on en croit les rumeurs. Une force de la nature dans l'enveloppe d'une mortelle, et à laquelle aucun soldat ne résiste. Si Deimos est à Pylos, nous devons agir. Je t'attendrai au navire, mais fais vite. Chaque instant perdu coûte la vie à un Spartiate. Cassandra est à Pylos. Tu dois absolument la ramener, Alexios. La ramener? Nous avons retrouvé notre maison. Nous pouvons redevenir une famille. Il n'est pas trop tard. Je vais la ramener, quel qu'en soit le prix. C'est capital, Alexios. C'est peut-être notre seule chance. Je comprends. Elle a dû voir la véritable nature des adeptes à présent. Peu importe ce que tu devras faire, ramène ta sœur ici. Il le faut. Rien ne m'en empêchera. Je dois y aller. Brasidas m'attend. Sois prudent, Alexios.
Le commandant a une idée aussi. Nous ne nous laisserons pas manœuvrer par les Athéniens comme Léonidas par les Perses. Yeah.